Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu The Evil Within Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, hier, on se rappelle qu'on avait un boss, on n'a pas eu de misère du tout, c'était facile. On l'a eu du premier coup. Les germes du mal. On y va. C'est beau ça. Là, je cherche le bouton tout le temps. Ça marche pas, ceux-là. Je vais les éloigner le plus loin possible. Travailler aujourd'hui, Turbo? Je suis là. Le corps bat encore. Le cœur bat encore, je prends pas de chance. Moi.
matériaux pour créer des... avec... Ouais, je sais, je l'ai oublié. J'y ai pensé hier. Je le ferais peut-être pas aussi lent, mais... ouais. C'est 25 secondes, tu sais, c'est comme un peu lent. Mais avant que... pas un institut français qui va me montrer à couper du bois. Bon. Ah, maintenant. Ouh! Pourquoi? Tu le savais en plus, ça s'en venait! Rien. Je savais pas qu'il y avait une craque là. Mieux vaut tard que jamais. Courbe d'activité cérébrale absurde. Observé chez les patients 25 et 33, et aussi chez le 55. L'unique facteur commun est un antécédent de troubles dissociatifs de l'identité. D'autres expériences sur le cortex préfrontal avaient causé une dégradation du sentiment identitaire, mais cette fois les résultats sont surprenants. Les pensées suicidaires des personnalités secondaires deviennent des attaques contre la personnalité principale. Quand la conscience de soi diminue, une forme de stase apparaît. Comme deux créatures siamoises contraintes de vivre ensemble. Dans une haine éternelle de l'autre. Délicieux.
Oh, il y avait ça et ça. Là. Fuck, fuck, fuck! Des petits bébés qui tombent de partout! Tu vois, ça nage, cette marde-là. Non, j'ai pas pris la chaise neuve. Je vais attendre. Je suis pas pressé. C'est bizarre, écrasé. Pile dessus. Ah, lui qui était à terre, ouais, j'aurais pu. Je l'ai brûlé, mais c'est comme si j'avais plus d'allumettes. C'est la femme, faudrait pas que je la tire. Quel gun voudrais-je montrer la force? Le shotgun, peut-être? Je suis allé trop loin, et c'était un piège. Mais évidemment, Sophia a tout fait pour m'arrêter. Mais se rapprocher de la vérité était trop tentant. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais si proche. J'ai remarqué qu'un infime courant d'air passe par la fissure de cette porte et même forcément vers l'extérieur. Le fragment de bas-relief que j'ai trouvé semble tenir dans l'emplacement. Il sert visiblement de clé. Mais dans quel sens la mettre? J'ai une chance sur deux. Et je fais les 100 pas depuis 2 heures, incapable de faire de choix pourtant si simple. Sophia, si j'arrive à sortir d'ici, je te serrerai dans mes bras, je te dirai que tu avais raison et que je ne te quitterai plus jamais. Ah, cet étrange bas-relief arbore un visage gravé sur...
Chacune de ses faces, l'une d'elles est maculée de sang. Ah, c'est là faut que je choisisse ce que je veux mettre. Je vais regarder s'il y a quelque chose qui me le dit. Veilleux. C'est bon, il fait longtemps que je n'ai pas pogné des morceaux de cartes. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas maintenant. Je dois trouver le moyen d'inverser cela si nous voulons l'arrêter. On était déjà là. Ce Ruvik? Mais qui c'est ce type? Désolé, je dois me concentrer. C'est dans votre intérêt de me dire ce qui se passe, Doc. Vous avez besoin de moi. Nous travaillons sur une méthode. Comment expliquer cela? Comme... pour interconnecter les cerveaux. Un partage total au niveau électrochimique. Émotion, mémoire, perception, et bien plus. Instantanément. C'est révolutionnaire. Les implications psychologiques, pharmaceutiques, et sur la conscience elle-même. Mais vous délirez. C'est un cauchemar, ouais. Je n'ai jamais dit que c'était parfait. En particulier avec un hôte. Aussi instable. Génial. Donc votre associé est un psychopathe. Et on est tous dans sa tête. Pas tout à fait, non. Nous y contribuons tous à notre manière. Mais il est le seul à disposer d'une influence consciente. Vous le connaissez bien. Qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, ce n'est qu'une théorie, mais... je dirais qu'il veut notre mort. On a jeté là aussi. Docteur? Journal de Sébastien Castellanos, 16 juin 2009. Nous avons déposé Lily à l'école maternelle ce matin. C'est sa première rentrée, elle est courageuse, tout ira bien pour elle, Mira. Bénie soit-elle, a connu 3 années difficiles.
Un bébé, c'est un travail à temps plein et elle va enfin profiter des vacances bien méritées. Je veux dire par là qu'elle revient au personnel disparu du KCPD. Il semblerait que le nombre de disparitions soit en augmentation. À moins de résoudre rapidement ce mystère, il ne restera plus personne pour s'en charger et tout le monde aura disparu. J'en rajoute bien sûr, mais quelque chose se trame à Crimson City. Et Mira va s'en charger, elle excelle dans son travail et est enchantée de retrouver son élément. Ok. Pas donner assez grand chance. Prendre une boîte de carton. Après moi, faut que je rentre dans une des salles, mais... Je pense, en tout cas. Ferme la porte, c'est pas après ça en mur. C'est bon, il a pas duré longtemps ce chapitre-là, 24 minutes. Chapitre 9. Cruelle intention. Je me demande combien de chapitres qu'il y a. Oh, fuck. Castellanos? Inspecteur Castellanos. Ces souvenirs, ce ne sont pas les miens. Ces souvenirs, ce ne sont pas les miens. Oui. Oh, yeah. Vous gémissiez dans votre sommeil. Vous avez fait un cauchemar. Thank you.
Oh non! Par là! Non! Évitez de perturber les autres, je vous prie. Vous n'avez pas bonne mine. Je pense pas, j'ai de clé, je vais aller voir, là, mais... Bon, qu'est-ce qu'on ajoute avec ça? Jauge de vie au maximum, attaque corps à corps. Non, efficacité des seringues pourrait être utile. L'utilité des armes. Shotgun. Multiplicateur de dégâts, je pense que c'est bon. Et voilà. Plus de balles aurait pu servir aussi. Là. Je pense que c'était là, c'est pas là. Les souvenirs sont très fugaces. Les souvenirs peuvent être facilement pervertis par les autres. C'est pourquoi il faut en prendre soin.
Vous avez vu un fantôme, on dirait. Non, je sais pas. Ah, c'est pas moi qui contrôle. Là, oui. Tiens, ça me dit quelque chose. Ah, j'aime ça, moi. Ce que j'aime encore plus, c'est que je sais qu'il y a un 2. Je suis jamais venu ici, mais... Le Dark Caribou. Je cache des tonneaux qui a rien dedans.
Bon, on a fouillé assez. On dirait un manoir à la Resident Evil. Ça va être grand, ça finira jamais, ça. Là. Pas mal sûr qu'il durera pas 30 minutes, celui-là. J'ai enfin réussi à trouver l'accès. La porte menant à un nouveau monde. Les détails sont tous là. Ils ont toujours été là. Sous mon nez, je suis à la fois consterné et furieux de ne pas l'avoir vu plus tôt. Le procédé permettant de briser le psyché humain et de l'anéantir pour en prendre le contrôle est tellement évident. Et maintenant que je sais exactement comment m'y prendre, j'ai l'impression que c'est tout ce qui compte. Tout ce que je cherche est de m'apporter, tout ce que j'ai perdu. Mais j'ai besoin de ressources, Jimenez. Cet imbécile va enfin servir à quelque chose. Je savais que c'était trop facile. Deux mondes séparés par un abîme irrégulier au-dessus des spectacles anonymes revient la tragédie. En dessous, les victimes impuissantes perdent tout. Donc, il y a quelque chose qui peut aller là.
Une scie? Où ça? C'est chiant, ça. Bon.
What? Ah, si je voulais sauvegarder en plus, si j'aurais dû tabarnak. Dans mon dos. Ah, si que ça me gosse, là. Quoi encore? Je vais faire le bas que j'allais sauvegarder parce que. Oh, Alice, je t'en pas de faire ça à chaque fois, là. Qu'elle est ta face, esti. La balle. Mais je sais pas où la mettre, moi. Je vais pas mettre ça n'importe où, là. C'est moi qui ai perdu de l'énergie. Ouais, mais notre cerveau où? Faire les affaires, après ça je vais sauvegarder pour pas tout recommencer. Yes.
Pas de stress, on va aller saver direct après ça. Coupure de presse de Crimson Pose. Un enfant et sa nous victime d'un incendie tragique à Crimson City le 11 février 2012. Malgré l'arrivée rapide du KCFD et leur effort acharné, un incendie brutal et dévastateur a coûté la vie à une fillette et sa nourrice hier après-midi à Crimson City, dans les environs de Park Ridge. Lily Castellano, 5 ans, et sa nourrice, Joanna Flores, 56 ans, n'ont pas pu échapper à la fumée et aux flammes qui ont rapidement carbonisé le pavillon. Les parents de Lily, tous deux inspecteurs du KCPD, se sont précipités sur les lieux mais n'ont rien pu faire pour porter secours à leur fille. Les pompiers ont mis plusieurs heures à maîtriser l'incendie qui a entièrement dévasté les lieux. Ces causes font toujours l'objet d'une enquête, mais les premières investigations semblent privilégier la thèse d'une défaillance électrique. La suite, page 8. Vous ne devriez pas utiliser votre gel vert? Tu vois, t'aurais pas demandé de t'occuper de tes affaires. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu The Evil Within, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!